Eh ben salut tout le monde les gens, c'est Big Boss, j'espère que vous allez tous bien les amis Big Bossiens, Big Bossiennes. Alors aujourd'hui, nouvel épisode sur Bêtement la Forêt, hein, épisode 8 je crois, voilà. Donc ici on a acheté le champ pour l'ETA, mais je ferai pas un ETA, hein, je ferai plutôt à la place de l'ETA, l'entreprise TP, hein, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu le but. Ça va se dérouler en 3 voire 4 épisodes. Donc ici on a acheté le champ et puis il y a de la terre à ramasser. Voilà, alors de la terre. J'ai voulu mettre sur le i3D le mode comment ensuite. Le mode TP, fonction TP, mais seulement sur le i3D. Si la, dans la map la fonction TP n'a pas été fabriquée avec le script, ça fonctionne pas, donc il faut refaire la map. Bon, j'ai pas l'intention de refaire la map, alors j'ai fait de la terre avec le compost. Voilà, donc on va débarrasser ça, hein, on va faire un peu genre TP, hein. Voilà. Donc pour ça, ben, on a été, pour l'entreprise TP, on a acheté un camion, on a acheté le porte-chaire, on a acheté le liéber avec ces deux outils, hein, pour ramasser, voilà. Et on viendra rechercher la veine après. Et j'ai un autre camion là-bas pour, ouais, bon, on prendra le petit, on prendra celui-là. Ou je vais peut-être le mettre en follow me, hein. Logiquement le follow me il doit fonctionner, comme ça on fera qu'un tour, on pourra commencer à ramasser. Alors j'espère qu'il va pas aller trop près. Alors c'est, je sais plus si c'est Alt F, non c'est pas ça, c'est contrôle, alors contrôle de droite, voilà c'est ça. Et on va aller sur le chantier. Alors allez c'est parti, c'est bloqué, il y a tout préparé. Voilà, tu vas voir quelque chose qui gêne là, parce que tout à l'heure j'ai fait et ça me faisait pareil, il y a quelque chose qui gêne sur la map. Direct national ou départemental comme vous voulez. Voilà,
tu fasses pas trop de bêtises parce que le follow me va faire exactement pareil. Vous voyez derrière, je l'attends derrière, tournez. Donc avant de... pouvoir comment oui comme je disais hein, le, donc le champ à acheter par le TA hein, qui sera lui la société de travaux publics et une parcelle qui a été rachetée sur le champ une petite parcelle qui a été rachetée vendue quoi par un promoteur hein, qui veut construire une fabrique à whisky. Donc avant de faire la fabrique à whisky, bon, de, à whisky pardon, et ben on va enlever la terre. Hein, on va voir comment que ça, on va s'organiser là-dessus. Le mode le follow me voilà c'est camion de chantier hein, donc logiquement ça devrait le faire hein. Oui, il fait un bruit. J'ai l'impression que le moteur il est cassé là. Alors. Bon, bah, lui, on va l'amener là. On doit être assez loin, oui. Allez, on va ouvrir les rampes. Alors, on va disloquer, enlever les... Alors, X pour enlever les... Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui, moi? Pour enlever les... Non, je vais pas y arriver. Bon bah tant pis, ça veut pas y aller aujourd'hui. Tout droit. Voilà, on récupérera l'autre par la suite. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on va tourner comme ça. Ça, on va reprendre. Alors, tout est à la souris, hein, comme j'ai pas de volant. Allez. Voilà. Donc là, c'est déjà normal. Mettre un peu plus de hauteur pour voir un peu ce qu'on fait. Ouais, ça monte. Ah, ça monte pas. Ça monte pas.
plus, ça va remonter. Allez, on va faire ça. J'espère qu'il va pas tomber là. En plus, je fais à la souris, hein. Bien sûr. Mais... Hop, bon, on fera ça en 3-4 épisodes, hein, je sais pas. Ou j'en ferai un peu, comment? Or, oh là là, oh là là. Un peu. Ça va être long hein, quand même pour enlever tout ça. Le godet est pas fort large. Enfin, pas, il n'y a pas une grosse capacité. Mais enfin, ça fait quand même 3 mètres cubes. Hein, si on regarde le nombre de litres, hein, 2900. Ça fait quand même pas mal. Hein. Pas tout à fait plein. On va essayer de dégager un peu plus sur la route. Ah, c'est pas possible. Voilà. J'ai pas encore habitué. Hop. Voilà. Après, bon, je pense qu'il y a encore un godet là-dedans. Là. Ah si, on peut encore en mettre.
ça le secoue hein, le Liebert là. Ça le secoue. Et on va aller vider ça ben, à l'emplacement hein, du terreau. Du compost, je veux dire. Parce qu'on peut, il n'y a que là-dedans qu'on peut vider. Allez. Voilà. Il y a pas mal à mettre quand même dans le camion là. Voilà. Ouais, j'en prie sur moi un peu hors vidéo hein, parce que ça va faire long sinon 3-4 épisodes comme ça. Oh là là, doucement, doucement. Ça va bientôt plein. Il nous le dit pas. Hein. Mode hub Scania allumé, mais non, il dit pas. Il est plein. Il est plein. Alors on va aller vider ça. Comme je suis tout seul, je peux pas tout faire, mais c'est pour ça que j'en prends une partie. J'en prends une partie en une bonne partie quoi. Orlan, ils sont pas très terribles les bruits là de camions là. J'en avais un tout à l'heure là avec un Scania là en derrière, il faisait un bruit d'hélicoptère mais là Odop.com, pas terrible terrible. Allez, on va vider ça, puis bah, ça sera bon pour cette vidéo, hein, cette série. Et on verra la prochaine fois. Hein. Hop, camion de chantier. Donc ça passe partout logiquement. Alors que j'achète le broyeur puis venir couper un peu des branches là. Parce que ça gêne un peu. Qui
client, une fois qu'il est plein, il avance plus là. Alors j'espère que je vais pouvoir rebider dans le bac. Logiquement oui. Sinon je ferai un tas à côté, puis c'est tout. Hein. On se débrouille comme on peut. Hein. Vous voyez les bouts de camion, dis donc. Je regarderai si j'en trouve un autre. J'avais téléchargé la TMP, mais je ne le retrouve pas, alors maintenant que je le télécharge. On va mettre ça pour la prochaine fois. Elle n'avance vraiment plus. Hein. Mode d'origine. Hein. Mode d'origine. On va pouvoir sûrement le recharger. Voilà. Là, ok. Allez, on va s'arrêter là, les amis. Vous voyez, ça c'est la machine à compost. Hein. Vous voyez, ça a arrêté. Ça doit être complet. Où il n'y a plus de paille. Voilà, je pense que ça va être ça. Il va assez vite. Hein. Ouais, d'accord, c'est ça. Il n'y a plus de paille. Ok. Bon bah voilà pour cet épisode les amis bibossiens, bibossiennes, hein, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Bêtement la Forêt. Et merci à tous, bye bye.